Alors, une option hyper sympa de la comptabilité Sage dans le menu traitement, c'est la réimputation des écritures générales ou analytiques. Le mode de traitement est le même dans l'un et dans l'autre, donc moi je vais m'occuper ici dans l'exemple des écritures générales. Alors, écriture générale, comprenez pour les comptes généraux ou bien pour les comptes tiers ou bien pour les deux comptes généraux et comptes tiers. Donc, à quoi va me servir cette petite option? Eh bien, cette option va me permettre de basculer l'intégralité d'un compte dans un autre compte. Imaginons que je me sois trompé d'un compte général durant toute l'année. J'ai utilisé un 622 000 au lieu d'un 622 100. Eh bien, ça va me permettre de transférer toutes les écritures du 622 vers le 622 100, ou bien d'un compte tiers. Imaginons que j'ai saisi mes factures dans un compte client Toto. Et que finalement, ce compte client change de nom à la fin de l'année, qui s'appelle plutôt Tata. Eh bien, ça va me permettre de créer un compte Tata et de basculer toutes les écritures de mon premier compte tiers vers le nouveau. Donc, pour cela, je vais vous montrer. Donc, compte tiers uniquement. Ça fonctionne exactement pareil pour les comptes généraux uniquement ou bien pour les deux. Donc là, ici, on a une fenêtre de présélection de type de journaux où on retrouve les journaux comme on a pu le voir dans le menu structure code journal, donc c'est-à-dire achat, vente, trésorerie, général, situation. Les dates d'écriture, par défaut, il prend tout l'exercice, mais on peut filtrer sur une partie de l'exercice. Le code journal, on peut filtrer sur un ou plusieurs codes journaux. Les montants, on peut filtrer sur les montants et également sur les sens de l'écriture, si on veut prendre débit et crédit, ou bien débit uniquement, ou bien crédit uniquement. Et enfin, la réimputation, pardon, de transférer d'un compte tiers vers un autre compte tiers. Ok, donc pour vous montrer la réimputation des écritures d'un compte tiers, nous allons aller voir deux comptes tiers, donc dans le menu traitement gestion des comptes tiers. Donc nous allons prendre deux comptes tiers de type identique, donc c'est-à-dire soit client, soit fournisseur. Là pour le coup, on va prendre un fournisseur. Donc on va essayer de balancer les écritures de bio dans Brelo. Donc est-ce que j'ai des écritures dans bio? Oui, voilà, j'ai toutes ces lignes-là. Et dans Brelo, j'ai également beaucoup moins d'écritures. Donc, pour ce faire, traitement, réimputation, écriture générale, uniquement des comptes tiers. Donc, du compte tiers, j'ai dit bio vers Brelo. Inclure les écritures lettrées, inclure les écritures rapprochées. Comme ça, vous prenez vraiment l'intégralité du compte fournisseur vers l'autre compte fournisseur, ou bien du compte tiers. Ça marche également pour les clients, salariés et autres. Et ensuite, vous validez. Voilà. Donc là, petit message d'erreur. Donc là, parce que les écritures comportant au moins la même lettre ne peuvent pas être traitées. Ok, c'est pas très grave. On va aller voir dans notre menu traitement gestion des comptes tiers. Et donc ici, nous allons aller dans la fenêtre bio, dans laquelle je n'ai plus d'écriture. Et je vais me retrouver dans la fenêtre, dans le compte, pardon, breloque, dans lequel je me retrouve avec mes écritures que j'avais déjà sur Breloque et également les écritures de bio.